Ce soir, je pense qu'on mérite de gagner, mais peut-être pas avec un tel écart. Donc c'est comme ça, on est content, c'est une série qui continue. On a été très efficace ce soir, ce qu'on n'avait pas été, notamment contre Lorient ici, par exemple, ou à Troyes. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est plutôt bon signe. On a fait 20-25 très très bonnes premières minutes où on a la possibilité de mener plus largement que ça. Et puis après, on commence à faire quelques erreurs techniques. On leur remet dedans. On a peut-être un peu moins de mouvement aussi. Donc c'est un match qui était un peu bizarre. Et puis ce deuxième but en deuxième mi-temps avec la récupération d'Amine nous soulage et nous libère. Alexandre Kouefo qui a perdu le ballon devant Amine Gouiri. Amine Gouiri qui va se présenter seul face à Costil. Amine Gouiri, 2-0. Gouiri qui met fin à la disette de plus de 20 matchs pour lancer l'attaquant de l'OGC Nice. Je pense que le tournant du match, c'est le deuxième but qu'Amine va chercher sur un bon pressing. Parce que d'une part, ça les a... Ça leur a mis un coup sur la tête et puis nous, ça nous a redonné de la confiance qu'on avait peut-être un petit peu perdu. Ouais, bah j'avais à cœur de bien commencer ici. Et c'est vrai que ce but, il m'a fait énormément de bien. Et j'espère continuer comme ça. C'est la suite d'un pressing. Après, c'est sur cet aspect-là, que je dois progresser. C'est défensivement. Et je suis très content de marquer ce but-là en récupérant le ballon au défenseur. À 3-0, je me dis bon, je vais calmer un peu, mais je le vois, il est tellement seul que je suis obligé de la tenter. Je la tente, elle passe, il marque, ça fait passe-dé, donc c'est cool. Non, mais quand ça se passe comme ça, c'est vraiment bien. Lui a un jeu au pied très intéressant, et sur le but de Flavien, c'est lui qui prend l'initiative. Moi, je dis pas avec l'expérience qu'il a, ce qu'il doit faire quand il récupère un ballon. Parfois, il doit sentir qu'il faut calmer, parfois, il doit sentir qu'il peut faire ce qu'il a fait, et comme il a un bon pied. Il l'a fait et bien fait, et Flav s'est bien arraché pour conclure. Donc c'est un but qui change des buts qu'on a l'habitude de mettre, mais c'est parfait. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas été très efficace défensivement. Et ce soir, on l'a été, même si Auxerre aurait pu concrétiser eux aussi une ou deux occasions qu'ils ont eues. Steve a fait le job, les défenseurs aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a... Il faut aussi tirer tout le positif qu'il y a dans ce match. Je crois que par rapport à la saison dernière, on est en avance en termes de points aussi. Donc, on a gagné notre premier match de Coupe d'Europe. On reste sur 4 matchs, 3 victoires, 1 nul. Donc, il y a plein de choses positives.